Fermez la porte. Vite. Hé, hey, vous faites quoi ici? Approche pas. Pitié, vous faites pas de mal. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Elle n'est pas d'ici. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Venez, c'est ouvert. Vite, vite. T'en as mis du temps. Louisa, ouvrez. C'est moi, Elena. Arrête de crier. Tu vas attirer les monstres. Liliane, du calme. C'est qui, lui? Mon ami. Reste où t'es. Papa, je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer. Ils vont sentir le sang, vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. C'est qui, lui? Un étranger, vous allez tous nous faire tuer. Les seuls survivants? Y a pas de survivants. Un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était. Et vous pensez être à l'abri? Tiens, mais qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Papa! Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi! Oh non! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! Ça, c'est une battante, elle a pas hésité à tirer sur son père parce que... Elena! Oh non, ça par contre c'est du courage. Ça suffit! Oh là, l'histoire est incroyable. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule! Non, on va sortir d'ici tous les deux. Vous allez faire quoi? Reculez, je vais tenter quelque chose. Non, il va aller en marche arrière, j'espère. Ethan, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Laissez-moi essayer. Ça brûle. On n'a plus de temps. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena! Il me reconnaît! Papa! C'est trop dangereux! Mais elle est conne, mais va te faire foutre! Ethan, partez! Sauvez votre fille! Oh, regardez-moi! Donnez-moi votre main! Putain de merde! Tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. What? De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Mikrescu, mes filles vous-mêmes, je rends d'accord. Laisse-moi voir. Donc, en gros... Fermez-la, vous deux. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Il est donc temps de passer au clou du spectacle. Attention, ça va saigner. Rien de tel que la viande hachée américaine. Et là, on active l'ascenseur. Ok, d'accord, en fait, on a fait tout le tour. Où ils viennent? Vous savez, je vous attendais, monsieur Winters. Vous connaissez mon nom? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Casse-toi, mec. À la prochaine fois. Ah non, jamais.
Oh, va te faire foutre. Waouh. Est-ce que Rose est ici? Je sais pas. Bonjour, mesdames. Comment allez-vous? Alors, on a une porte ici. Oh putain, j'ai cru que c'était une petite salle. Ah, voilà, une petite salle. 500 lignes. Qu'est-ce que je fais, les amis? Alors, c'est vous qui me dites. La porte ou l'ascenseur? Qu'est-ce que je choisis? À vous de me dire. À vous de départager. Et c'est égalité, c'est moi qui choisis. Ascenseur. Très bien. Le pralon n'a rien à dire. Personne d'autre veut donner son mot? Ascenseur une fois. Ascenseur deux fois. Pas du jeu vendu. Ascenseur. Ah, en plus, je pleure même pas de rire, mais carrément c'est de la sueur. Je pleure en suant. C'est des larmes de sueur. Ah, le prochain vote. L'escalier ou la porte? J'écris en marchant, c'est dur. À sans crure. Escalier? Escalier une fois. Escalier deux fois. La porte. Ouais, tu sais quoi? J'ai envie de... Attends, s'il se passe rien... Voilà, c'est ce qui me semblait. Ok. La porte ou le rideau? Non, bon. Un viol? Je vais quitter. What? Les amis! En fait, depuis le début du jeu, en fait, je pensais que c'était qu'une impression. Mais c'est pas qu'une impression. Ils reprennent vraiment les endroits de Resident Evil 8. La porte là. La grande porte ici. Le... Bon, normalement, c'est une étagère qui est là, mais là, du coup, on a une statue. Donc la grande porte. La porte ici, qui faisait référence à Resident Evil 7, c'était la porte où on devait mettre les têtes d'animaux, les têtes de chiens. Et bon, là, normalement, on avait des escaliers, mais là, on en a un grand là. Et vraiment, on dirait Resident Evil 7. C'est incroyable. Bon, alors, on va tester. Ça fonctionne pas. Là, il y a une porte jaune. Un gros siège. Non, je sais pas, t'as vu? Labyrinthe de Nordstein. Artisan de la fin du 19e siècle, Nordstein fut qualifié d'hérétique. Puis banni de sa partie. Ah ben, il a streamac. Il erra longtemps avant de s'installer dans un village isolé. C'est là qu'il créa quatre labyrinthes. Le château, la maison sur la colline, le moulin à eau et la tour de fer. Une fois ceci achevé, il se mit un pistolet sur la tempe et se donna la mort. Mais pourquoi ? Chaque labyrinthe est unique et fonctionne avec une boule métallique spéciale
qu'il faut guider jusqu'à l'arrivée. Les quatre labyrinthes referment des ossements humains parés de cristaux de différentes couleurs. On raconte que ces ossements sont ceux de quatre femmes qui a aimé Norstein au cours de sa vie. Eh ben, du coup, c'est ça? Labyrinthe? Non. Si. Ah, mais d'accord. Ah, mais j'ai compris le but. Ouais, mais j'ai pas de boule. Enfin, si, j'en ai deux, mais ils ne servent à rien, là. J'essaie de trouver une boule. Il y a une femme. À un moment donné, elle est devenue folle, elle a perdu la boule. Pardon. Non, mais je pensais être drôle pour une fois. Tu pourras demander à un moment s'il a l'écran de... Pas sûr que ça fonctionne. Je pense que je suis la première personne à inscrire le mot télécran T sur Resident Evil. Bon bah écoutez, on va prendre l'escalier. Les sons. Scheiße. Bah il reste plus qu'une porte. Restituer le visage des quatre anges. Oh non. Tu cherches Rose ? Le sang d'un homme. Mère, qu'êtes-vous ? Voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentilles, les filles. Bon. Bien. C'est la seule personne que je connais dans le jeu. Waouh ! Ça alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Bien, mère. Bonjour, enchanté. Il commence à perdre de sa salle. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturée. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Non. Accrochez-le. Il me manque déjà deux doigts. Non, attendez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters. Elle est vraiment grande. Faites-moi descendre. Non, je suis bloqué, faut que j'appelle un admin. Non mais par contre c'est incroyable, l'histoire est juste extraordinaire, mais... Contrôlez la vue. Oui ben... Non. Ah. Ah. Ah, la sensation. Ah. C'est horrible. Attendez, excusez-moi, j'ai pas trop lu vos messages. Ça ressemble pas à un village, ça. D'habitude, il y a le gros à côté de la salle et on peut aller en haut. Attention au backseat, les amis.
rappelle, le backseat est interdit. Donc faites attention à ce que vous dites. Mais du coup, je ne sais pas de quoi tu me parles. Mais attention, spoil backseat est interdit sans mon accord. Par contre, non, c'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Ah bah oui. Ça va tout changer. Oh mon dieu, ça va mieux. Il cicatrise vite. Merde. T'es au début du jeu ? Oh ouais, ouais. Merde. Voilà. Ah ouais, non, c'est vraiment le début du jeu. Bah ça fait 2h30 que je joue. Très beau. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah non, ok, c'est juste un... Ok. Mais on en parle, que le lit est pas si grand que ça. Bon, je fais un peu le tout. Ouais. Bon, j'imagine que c'est par là qu'il va falloir que j'aille. Il prend cher, le pauvre Ethan. Ah non, mais... Je sais même pas comment il est encore en vie. Hein. J'ai une fille de la récolte. Je vais me faire ban. Ok. Je peux pas en manger, hein, j'ai faim. Nickel. Je sais même pas si je peux en faire. Voilà. Frère, je m'attendais à ce qu'il ouvre la porte. Je m'attendais pas à ça. Il va passer. C'est con, ça se voit un peu. Je crois que tu vois. Ah si. Ah, c'est bien fait. Oula. Ah, voilà. Le chimique, j'ai cru que c'était un cocktail moto. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose ? Ok, donc là on met les têtes. C'est ça. Comme nous nous retrouvons ! Vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille ? Non. Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas ? Dimitrescu ? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil ? Sait-on jamais ? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. À votre service. Toujours aussi cher ? Ouais, mais mon ref, t'as vu les prix ? Malade. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés. Et je le fais pour une somme modique. Bonne journée. Ça, je peux toujours rien faire, j'ai toujours pas la boule. Hein. Ah, bah non, non, ça c'est... Je sais pas à quoi il peut me servir, cette bague. Bah... Non. Là-dessus, il y a marqué quoi ? Ce n'est qu'alors que vous trouverez le salut. Ah, ok, très bien. Bah écoutez, ouais. Moi, je venais d'où ? Oui, de là.
Donc là-haut, j'ai pas été. Ah. Ok, d'accord. Bon, du coup, j'imagine que ça a dû me dire c'est verrouillé de l'autre côté. Du coup, je suis toujours pas allé en haut. Ok. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a? À voir. J'ai l'impression que je suis bas. C'est mieux là. Il joue. Alors les gars? Non, bah écoute. Ah. Oui. J'aime pas beaucoup d'un coup. Vraiment, ça boit du sang. Ça, ouais. Ça boit du sang. On va refermer parce qu'après. M'en fous, je vais passer par la cheminée. Mec, un peu con. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Hein? Mais j'étais déjà passé par là. Là, c'est qu'encore où? Ah oui! Non, c'est la porte là que j'ai verrouillé. Déverrouillé. Donc, c'est la porte là qui était fermée. Ok, je commence à me repérer un peu. Là-dedans. Bon, là, c'est fermé. Bah, du coup. Il me reste plus qu'un seul endroit. Allez, hein. Oh là. Alors. Bah écoutez. Du très bon fluide chimique. Vas-y, tu ça ici. Qu'est-ce qu'on doit mettre là? Ouais, on doit mettre. De toute façon, on verra très bien. Une sorte de statue, j'irais. Ou une bouteille de vin. On peut pas prendre une bouteille de vin pour tester? T'en prends une, tu la poses, tac. Non, je sais pas. Bon, on viendra pas là, de toute façon, on découvrira plus tard. Hein. Ok. Ok. Je teste. Ah non, là, c'est un œil qu'il faut. Bah, ça ressemble un peu à mon œil là, non? On peut pas faire un truc du style. Tu prends ça. Tu retires l'œil. Non, tu. J'ai jamais été aussi intelligent. Il manque un. Non, mais sans blague. Voilà. Oh. Ah, elles viennent pas me reprendre. Ah. Ah, mais. Ça fait longtemps que j'ai pas disséqué un homme. Laisse-moi te pendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer mort ou vie. Ah non, mais je peux pas utiliser une photo de famille. Tu préfères quoi? Tu te casses. Une fois empaillé, tu décoreras le hall. Putain, il est solide sur les appuis. Moi, je serais déjà mort de chute. Hein. 9 juin 1958. C'était mon premier jour de travail au château aujourd'hui. J'ai été très étonné de constater que les domestiques étaient des femmes. La maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordaient pas. C'était pour le moins étrange. 23 juin 1958. Cela fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler au château et j'ai un peu peur.
Une autre servante, Adela, a commis un impair et Mademoiselle Daniela lui a tailladé le visage avec un couteau. Et la nuit, j'entendais des gémissements comme si des fantômes erraient dans les couloirs. Je veux rentrer chez moi. 8 juillet 1958. Je ne sais pas quoi faire. Les jeunes demoiselles se plaignent qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner. Alors, j'ai entrouvert la fenêtre. Ferme la fenêtre immédiatement, m'ont-elles crié à l'unisson. J'ai peur d'être emmené au sous-sol et qu'on ne me revoie plus jamais. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Waouh. Et du coup, là, il est au sous-sol. Donc, il a été emmené au sous-sol. Mais du coup, est-ce quelqu'un... Bande de tarés. Ils sont... Les tarés. Bah, super! C'est vraiment le mec. Il s'échappe de sa cellule et il tombe dans le bureau du directeur. Ah oui, bah oui. Alors j'imagine... Ah. Non, m'en fous de ça. On peut pas me donner tous les objets dont j'ai besoin. Elle était passée par où, elle? La porte? Non. Attends, mais je viens par où? Ah, elle m'a pas vu. Genre. MDR. Timistre les coups. C'est son nom, ça. C'est le nom de la grande dame. Merci. Oh, je m'attendais pas à ce que ça le fasse vraiment. Merde. Closed in light. Ok. Oh, j'imagine que c'est une indication de ce que je dois faire. Ah. Attendez. Ah, mais attends, au pire. Non, je sais pas. J'essaye de ramener le truc vers là-haut pour peut-être que ça prenne feu. Je vous jure, j'ai jamais... Vraiment. Ah, c'est stylé. Oh, attention à la... Ah. Non mais... Ah non. J'ai dit, mais ça fait chier, là, des shots là, il fait tout à côté. Ah. Oh putain, mais vraiment. Dans Resident Evil 7, on se disait, mais les mecs sont tarés, mais en fait, ils sont pires dans le 8. Il est un peu... Oui. Ah, mais il y a un collier. Ah, c'est quoi ça? Oh. C'était là où je suis enfermé. Oh, candidate Irina, Mihaela, Loïse, Ingrid, rejeté Dandora, Greta, Nadine. C'est vraiment le nom le plus basique. Donc Nadine, Camélia, Bianca, Melina, Astrid, Lyudmila, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriella. Ils aiment beaucoup les gars. Moi, je suis à sa place, je me casserai direct. Oui, effectivement. Mais bon, contrairement à la vraie vie, on va dire que quand il y a une charrette devant toi, tu peux pas la passer. C'est un peu chiant. Genre là.
t'enjambe. Parce que là, je peux même pas passer. Oh putain. J'ai pas fait ci. Non. Quand il y a de la lumière, j'y vais. Hein. Ah non, mais là, j'ai déjà été ici. Écoutez, je fais un peu le tour. Hein. Je regarde si je peux trouver des petits trucs intéressants. Mais j'ai l'impression que mon chemin s'arrête là. Ah, ok. J'ai pas fait tout le tour. À quoi ça sert? Oh. Irina, appétit vorace. Miaela, appétit vorace. Loïs, appétit vorace. Ingrid, appétit. Ah non, instable, reprend parfois confiance. Comment ça reprend parfois conscience? C'est parce qu'il a pas pleinement. Bah, j'imagine que c'est une fille. Non, parce que Ingrid, pour moi, c'est un nom de garçon. Non, je sais pas. Très bien. Moi aussi, je peux le faire. Non. Qu'est-ce que je fais? Le plan était parfait. Le plan était magnifique. En fait, j'essaye surtout de déterminer. Comme je le disais, j'essaye surtout de déterminer si c'est quelque chose qui est en cage ou si c'est quelque chose qui est libre. Oh la vache. En plus, vous entendez plus mes cris parce que il y a le suppresseur de son, mais je vous jure, j'ai gueulé. Surtout, j'ai tout envoyé balader. J'ai mis un coup de souris. Et ah la vache, mais je m'y attendais pas. Ah non, mais sur le coup, c'était... Mais elle est où? En fait, j'ai pas compris, elle sort du sol? Ah, mais oui, ok, d'accord. Collier d'Ingrid ?
Ah, mais en fait, il y a des trous déjà pré-creusés. Je comprends pas, ça vient d'où? Il y en a encore? Ah oui, là. Carrément, mais attends, ça se bat à l'épée. Oh, le son, quoi. Voilà. Oh! Trop bien fait, par contre, les cinématiques. Comment on peut passer là? Est-ce qu'il y a une touche en particulier pour s'allonger que je ne connais pas? Je crois qu'il y a une touche pour s'allonger, mais. En de quoi? Attendez, parce que j'ai pas fait le tour. Et je pense que j'ai manqué des choses. Ah non, mais elle sort par là. En fait, c'est d'ici qu'elle sort. Ah, mais il y a un escalier. Ah, ça gratte les oreilles parce que... Coup de soleil de merde. Moi, je l'ai à la troisième personne village. Troisième village? Troisième personne? Moi, je pourrais pas jouer à ce jeu à la troisième personne. Pareil, donc là, je sais toujours pas c'est quoi les clés qu'il me faut pour aller ici. Mais pareil, je découvre au fur et à mesure du jeu, hein, de toute façon. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Ah merde. Oh, j'aimerais me prélasser dans un bain de sang bien chaud. Bah pas moi. Je sais pas si je peux la tuer. Où est-ce que tu vas, petit coquin? Bah je sors. Ah bah voilà, c'est ouvert. Tes balles ne font rien du tout. Ah, donc il craint là. Espèce d'imbécile. Mon corps, il se décompose. Comment oses-tu t'attaquer à nous? Je ne te pardonnerai jamais, espèce d'ordure. J'arrive pas à y croire. Bisous. Bon, on reste cool. Oh, une portail interlab. Pas la référence, bien sûr, de... Ah, mais c'est ça qu'on va mettre dans le truc. Ouais, du coup, il fait pas ça. Il fait ça. Donc c'est ça le truc qu'on va mettre... J'avais bien dit qu'on allait mettre une bouteille de vin. Mais effectivement, elle est un peu plus spéciale que les autres. Pulsateur de recul. Merci beaucoup. Donc, modifier arme. Ok. S'il prend plus de place, j'ai pas l'impression. Je pense que le nombre de places est pareil. Ah, nickel. C'est cool. On commence à débloquer des petits trucs. Donc, déjà, c'est nice. Là, je voulais voir s'il y avait quelque chose. Non, merde. Comme le seul con qui n'utilise pas le bon truc. Est-ce que c'est illimité? Or just one?
Just one. Très bien. Non, ça, je suis pas du tout dégoûté. Pas du tout. Donc il faut que je retourne à la salle de bain. Ah, ok, d'accord. On vient d'ici. T'as déjà fait lesquels de Resident Evil? Alors, j'ai pas fait le 1. J'ai fait un peu du 2. Ouais, le 2 un peu. Le 3, il me semble pas que je l'ai fait. Le 4 aussi un peu. Le 4 aussi. Le 5 non, le 6 non. Et le 7 que j'ai fumé, que j'ai fait 5 fois, que ça soit en VR ou non. Donc, ouais. Voilà. J'en ai marre de jouer au 7 et j'ai décidé de m'acheter une 8. Le 2 et 3 remakes sont trop bien. Le 4 remake aussi, les révélations aussi. Moi, j'avais fait que le 4 remake. Bah, c'était il n'y a pas longtemps, le 4. Le 4, c'était... Bah, cette année. Il y a quoi, 2-3 mois? 2-3 mois maximum. Et je suis perdu. Cave à vin. J'imagine ce point-là. Fais les autres, tu vas dans, je pense. Ouais, peut-être. Faut que je vois leur prix. Donc j'avais raison, c'était bien une bouteille de vin qu'il fallait mettre. Après, j'ai surtout dit ça parce que nous sommes... Et bien, dans une salle à vin. Alors... Il y a plein de trucs qu'on a débloqué. Est-ce que je peux faire des balles? Voilà, on va faire des balles. On va faire du soin. De toute façon, pour l'instant, je peux fabriquer que ça en début. Clé de la cour. Alors, est-ce que c'est la fameuse clé dont j'ai besoin à chaque fois? Ou est-ce que... Pas du tout. Ça, je m'attendais pas. Ok. Faut que j'aille à la clé de la cour. Donc à la cour, j'imagine. Mais... Qu'est-ce que c'est ici? C'est mon oui depuis l'autre côté. Ok, je vois pas comment je pourrais accéder de l'autre côté. Ok, il okay, y a des petits trucs, faut bien fouiller. Pour l'instant, le jeu, 10 sur 10. Hein. Pour l'instant, j'adore. Hein. Merci. Non, franchement, pour l'instant, le jeu... Je te fais visiter. Oh, je commence à péter un plomb, moi, avec elle. Ma gorge, elle est si sèche. Pardon. Non. Oh, j'ai tellement soif. En même temps, comme elle l'a dit, mais oui, mais... Ça c'était sûr que t'étais de ce côté. Mais en vrai non, j'en ai aucune idée de
Si jamais vous voulez me dire où je dois aller. Bienvenue, bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. Oui. Oh, ben, écoute-moi. Oui. Oh, non, mais Me ne dois. Faites pas attention à moi. D'accord. Donc, on va pas vendre n'importe quoi. Merci de votre visite. Trésor, donc, ça je peux vendre. À okay. Votre service. Donc, tout cool. Je suis un peu trop, mais regarde ton objectif. Il faut chercher. Ok. Oh, 10 000. Pardon. Votre argent. Oh, j'avais dit que j'améliorerais jamais. Bah, ça coûte cher. Non, c'est les munitions, pardon, que j'ai dit que j'achèterais jamais. Dan. Mais ça coûte cher. Mais ça coûte cher. Regarde là. Puissance pour 1 de plus. Cadence de tir pour 0.03 de moins. Rechargement pour 0.2 de moins. Et capacité pour 2 de plus. Franchement. Pareil. Il y en a 8. En plus que mec. Ça coûte cher. 1000. Pas envie de faire le radin. À la prochaine fois. Oui. Attends, je sauvegarde, hein, parce que... Elle est encore là, l'autre foul. Eh ben voilà. Du coup, oui, objectif. Chercher Rose dans le château. Merci, Captain Obvious. Trouver les... Trouver les appartements de Dimitrescu. Les appartements de Dimitrescu... Ouais, non, j'ai un truc à faire là, mais... attendez, il y avait une autre page? Oui. Il faut trouver, mais il n'y a pas de boule. Donnez-moi une boule! S'il vous plaît, une boule. Vous avez une boule? Une boule. Dis-moi, t'as une boule? Non. Je peux pas l'ouvrir. Bah non, bah non. Bon. Bien évidemment. Chambre à coucher. Chambre à coucher. Garde-robe. Le principal. Le vestibule. Salle de marchand. Toi, je te fous de quoi sur la gueule? Tiens, si je mets une photo de famille, c'est bon, non? J'en ai déjà deux. Oh bon, du coup, chambre à coucher. Chambre à coucher. Ouah la vache. Ah, clé en fer forgé. Clé fœtus ciselle. Cadenas. Clé en fer forgé, puis cadenas. Ok. Clé de la cour. Donc. Hall. Ouais, mais du coup. Eh oui. Parce que du coup, la question c'est. Est-ce que c'est cet étage-là? Ou est-ce que c'est l'étage en dessous? Non, c'est l'étage là.
Vraiment, j'adore comment on se bat dans le château et que tu croises personne. Vas-y, l'autre, là, la folle. Youpi! On va te sortir. Bah ben non, quoique, vu au prix que j'ai payé le jeu. Je suis bien. Mais cette photo, elle me sert à quoi, là? Je suis une offrande. Venez! Bon, qu'est-ce qu'on a là? Bah rien. Ah, tiens. Carrément. Mais qui m'ont donné un moteur. Eh là, qu'est-ce qu'on a? Oh, les radins. L'autre, il m'a donné un moteur. Tu verras l'idée. C'est bien, tu m'excites pas. Ah. Alors, déjà, je peux peut-être regarder la carte. Là, là et là. Ok. Fermé. Cinématique. Bah, du coup, on a trouvé les... Hein? Eh oui! Attends. Excusez-moi, je dois faire un truc. Mais dis-moi, Raposa. Attendez. Deux secondes. Non, j'ai rien dit. C'est bon. Attends pour moi. Allez, on y va. Attendez, excusez-moi. Hop. Voilà. Du coup, j'ai eu peur de mon retour de son. Ah, parce que j'ai fait. Et du coup, ça, je l'ai entendu, ça m'a fait peur. Bah, du coup, je pense que là, on a trouvé les appartements. Non. Il y a des objets à récupérer ici. Bah, de toute façon, j'en ai récupéré. Hein. Je sais pas si ça change de couleur une fois que. Qu'est-ce que tu as fait à ma. Salope! Fille! Ok. Salle d'ablution. Ah, appartement de Dimitroscu. Je vais l'appeler à grande. Donc c'est ici, hein. Très bien. Et pour ça, il me faut une clé en. Clé de. Ah, bon. Pardon. C'est ce que je pense. C'est du vin, hein. Ah, mes habits vont être tachés. À cause du vin. Qu'est-ce que... C'est un cœur? Non, on dirait une grappe de raisin. Ah, mais c'est la grande. Et je peux faire pivoter la grande. Ouais, non, mais... En fait... Parce que le truc, c'est que... Quand moi, il y a un mec qui met un message dans mon chat et que c'est la première fois, il y a un message qui me dit comme quoi c'est la première fois qu'il met un message. Mais toi, je pensais que t'étais nouveau. Parce que mon pseudo me te dit rien. Enfin, ton pseudo me dit rien. Et du coup, c'est pour ça que
J'ai bugué. Et en fait, ça a marqué que t'étais pas du tout nouveau, genre t'es follow depuis 2 mois. Mais t'es con, je suis ton pote. Bah, je suis nouvelle. Ah, pardon. C'est la première fois que je viens sur ton live. Ah bon? Ça marque... Ah non, compte créé. Mais en fait, c'est bizarre parce que... Genre... Pour le coup... En fait, c'est pas compte follow, ok? C'est compte créé. C'est juste, en fait, que... Il n'y a pas eu de message... Genre, il n'y a pas eu de message m'indiquant que c'est la première fois que tu écris un message sur mon chat. C'est pour ça, genre, je trouvais ça bizarre. Quoi? Qu'est-ce qui est fermé, là? Donc là aussi. Mais ça va être chiant, attendez. Ah, je suis où? T'as peut-être pas fait gaffe. Ouais, peut-être. Merde. Bon, au pire, bienvenue alors. Non, du coup, il faut la clé de Merclos Croza là. Alors. Ici. Ah! Ah! Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes. Les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur pour que le vin puisse couler. Pas sûr d'avoir compris. Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, c'est la seule phrase que j'ai compris. Les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur pour que le vin puisse couler. Donc... Elle, insensible aux hommes. Donc moi, quoi. Donc elle, insensible à ces trois-là. Les paysans, que personne ne regardera. Ah non! Et ça, c'est une femme. Donc c'est lui... Donc c'est lui le mec qui fait les avances aux hommes. Donc quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes. En fait, moi je joue sur les. O A U et O A U X. Là il y a marqué les femmes et aux hommes. Donc quand les femmes sont insensibles aux hommes. Excuse-moi, j'essaye de comprendre. Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit du vieux labeur pour que le vin puisse couler. Donc, eux, personne ne doit les regarder. Donc, dans tous les cas, c'est tourné comme ça. Je suis bloqué. En fait, je cherche à savoir c'est lequel qui fait les avances. Si c'est eux, trois, qui font des avances en mode « Oh, veux-tu m'épouser? Regarde, je t'offre une grappe de raisin qui ressemble à un cœur. » Ou si c'est lui en mode « Oh, épouse-moi, regarde, je suis sur mon grand cheval, je suis un guerrier bien solide. » C'est ça que je cherche à savoir. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur pour que le vin puisse couler. Les paysans, c'est eux. Pour moi, les paysans, c'est eux. Personne ne les regarde. Ils remettent à leur seigneur le fruit
de leur dur labeur pour que le vin puisse couler. Donc, je peux tourner soit à droite, soit à gauche. Comme ça. Apparemment, personne ne regarde. Ah, voilà. Oui, parce que dans tous les cas, personne ne regarde. Donc en fait, c'est juste que je m'étais trompé de sens avec eux. Oh, putain. Des applaudissements dans le chat, s'il vous plaît. Je suis trop... Aïe. Ah, je viens de me niquer le poing. Je suis trop fort.